Hey, salut tout le monde, c'est Flare, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le septième, je crois, épisode de Animal Crossing New Leaf. Comme maintenant je tourne et j'upload dans la foulée, et en plus cette semaine, il y aura une vidéo par jour avec d'autres séries sur lesquelles j'ai des uploads en retard. Du coup on est lundi 9. Effectivement. Votre code de confiance. Alors, justement, Marie, on va aller lui parler. On va faire plein de fois. Ah, on a du courrier. Qu'est-ce que. De maman, lire. Mon petit sucre d'or, je suis tombé là-dessus en faisant mes courses et j'ai immédiatement pensé à toi. J'espère que ça te plaira. Alors, qu'est-ce que ma mère m'a pris? En ce moment, ma mère, je suis rentré de la fac. Elle avait posé un sapin, des décorations et tout. Elle s'est chauffée. Un buffet! Oh, c'est toujours cool! Alors, première chose qu'on va faire, les gars. Alors, déjà, produit phare, qu'est-ce que c'est? Un CD. Comme hier, non? C'est pas déjà le cas hier? Bon, bref. On va changer d'item, on va prendre la pelle, hein, comme d'hab, on va frapper les rochers. On va faire conseil sur la vie locale à Marie. Parce que, apparemment, en fait, elle peut donner plusieurs objets différents quand on lui fait ça. Et il y a possibilité qu'elle nous file l'arrosoir, en fait. L'arrosoir, c'est Marie qui nous le donne, apparemment. Quand on fait conseil sur la vie locale. Donc voilà. Et au pire, le texte, on va le skipper ou le lire en diagonale, hein, c'est pas grave. Voilà. Et je vous remercie encore pour la présence, parce que ce let's play est actuellement le contenu le plus regardé de ma chaîne. C'est-à-dire que sur les vues individuelles par épisode, il y a plus de vues quand je sors un épisode sur un épisode d'Animal Crossing New Leaf que comme en ce moment je sors un épisode de mes trois séries en cours. J'ai trois séries en cours en ce moment et je sors un épisode par jour des trois. Ça a pas duré longtemps, parce que je suis pas énormément de retard non plus. Voilà, et en fait, quand je sors sur les stats individuelles en 24 heures, il y a à peu près 4 vues sur un épisode de Rush to the End de la série Minecraft, entre 1 et 2 vues sur une vidéo de Saints Row 3, et au moins plus de 5 vues sur. Plus de 5 vues sur. Sur un épisode d'Animal Crossing, donc c'est juste ouf. On va parler à Opélie parce que je me suis totalement planté. On va aller dans notre boîte personnelle et en gros, on peut archiver du courrier. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, on a toujours ABC avec 6 pages dans chaque, donc ça fait 180 slots. 180 slots, et je suis en train de me dire que dans Wild World, je pense qu'il y en a plus ou autant. Je sais plus combien il y a de pages, mais je crois qu'il y a 25 slots par page et qu'il y a 5 pages. Ah non, en fait, non. Ça fait 125. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, balade. On va essayer de trouver le rocher à monnaie. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va essayer de faire monter le permis de construire à 100%. Là j'aimerais l'avoir. Oh, ça commence. Donc les fossiles, on va les donner au musée. On va arracher les mauvaises herbes qu'on croise. Ah, le bon piège. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Le jeu a fait un freeze. J'ai eu très peur.
Oh là là. Alors, je suis en train de me rendre compte. Je sais pas si c'est un délire avec les saisons. Ou je sais pas ce qui. Je sais pas quels sont les facteurs qui influencent ça. Mais comparé à Wild World, il y a vraiment énormément de trous. C'est ouf. Ça me choque la quantité de trous qu'il y a avec. Enfin, non, la quantité de trous, ça va. La quantité de fossiles sur Animal Crossing Wild World, t'avais que des pièges. Je passe devant eux quand ils courent parce que des fois ils veulent te parler. Pour l'instant, je crois pas que ça nous arrive. Tu le vois le truc rouge en bas que je sais pas ce que c'est, je suis pas seul. Cherche encore quelques mauvais arbres. Et juste quand on aura un arrosoir, je pense que l'arbre qu'on a planté sur la place en début de jeu, je pense qu'on peut l'arroser. Je pense que. Oh, toi bonjour, je ne te connais pas. Graham. J'ai emménagé à un moment, alors je suis étonné que tu prennes mon endroit. Hein? Ah, si ton gimmick c'est au pif, ça va être très drôle. tu racontes quoi? J'ai vu Gulliver en train de pioncer. Ah! Il y a Gulliver! Alors Gulliver, c'est. C'est quelqu'un qui est endormi sur la plage. J'ai jamais trop compris ce qu'on faisait avec alors le permis. 80%, d'accord. Nettoyer la ville. Ah mais. Ah alors ça. Il faut qu'on pêche des trucs nuls, mais la seule session de pêche qu'on a faite, non, pour les lettres c'est bon, d'autres conseils, la plage. Voilà, donc ça c'est le genre de truc. On va aller chercher un coquillage et on va le ramener à Marie. Pour le coup, ça c'est un truc que j'avais déjà fait. Voilà. Oh, un gyroïde. On a trouvé les trois types d'objets qu'on peut trouver dans les trous en 2 secondes. Il y a un délire avec la plage actuellement. On l'a tous vu. Je veux juste remonter. Vais ramasser les coquillages qui sont le plus en haut. Comme ça m'évitera d'aller en haut plus tard quand je voudrais refaire une session de coquillages. Bon alors bijour, c'est dingue à quel point je suis inconscient. Oui mais d'accord mais. Arrête ça, mon bec n'est pas un ouvre-boîte. Non mais d'accord, mais réveille-toi en fait. Y a pas école aujourd'hui. Je sais pas comment tu le réveilles. Paiement en pain en raisin. De quoi tu parles? Ah.
C'est quoi le truc rouge qui était là-bas? Bon, bon. On va aller donner un coquillage à Marie. Marie nous file l'arrosoir en fait. Ah non, si je sais. Je crois qu'en fait il faut lui faire concession à la vie locale, qu'il faut qu'elle nous reparle de la plage et qu'on lui dise qu'on en a un. Voilà. Alors tu me donnes quoi? Ah des... Donc, ouais, on va faire ça en fait. Ça on va le faire tout de suite. En fait, on va planter des poires pour avoir des poires. En fait, il n'y a qu'un seul fruit par ville et c'est aléatoire. Et en fait, du coup, comme actuellement on a dans notre ville des oranges, hop, les pelles valent plus cher que les pelles. Tais-toi, Aurélia. En gros, le fruit de notre ville, c'est les oranges. Donc les autres fruits valent plus cher. Si on plante des poires, qu'on peut avoir comme poire, bah... On peut faire... On peut revendre des fruits plus cher que si on vendait des oranges. Je voulais ouvrir la porte. Du coup, on va aller après au musée. Et voilà. Ah oui, 3K. Et puis je vais planter des poires ailleurs. Je plantais des poires devant chez moi, je pense. Genre entre chez moi et le magasin. Genre là. Et puis. Du coup, on va aller au musée. On va aller voir dans les boutiques ce qu'il y a parce que c'est vrai que j'y vais pas souvent au final. J'y vais même jamais en fait. Mais ça peut être intéressant. Le fossile Thibaut. Alors, bam bam. En fait, ce qui est bizarre, c'est que
Il dit je veux pas te forcer la patte donc je te les rends. Mais juste avant il dit pourrais-tu en faire don à notre musée, genre ça n'a aucun sens. On a quand même, on lui a quand même filé un crâne de tricératops et un crâne de T-Rex. Frérot, j'aurais pu me faire beaucoup d'argent, je pense, mais la ville. Putain, je suis tellement pas comme ça dans la vraie vie. Non pas que je sois une radine, hein, mais c'est qu'en fait j'ai pas de sous. Je crois que mes comptes actuels c'est genre 70 euros. En même temps, je viens de payer des trucs. Ah, eh ben, eh. La flemme d'aller parler avec Marie, hein. Voilà. En fait, j'ai bien fait. Merci Racine. Carré. Ah, les vrais auront la référence. Et non, je parlais pas de match, je parlais d'un album musical. Les vrais auront la ref. Bon, on va lui racheter un filet à papillon, Amélie. Ah, Mélo, pardon. Et donc, il y en a qui m'ont dit de toute façon, le cadeau, il t'aurait fallu un lance-pierre. Non. Je sais de source, je suis certaine qu'avec. Enfin, je suis certaine, parce que je l'ai déjà fait, qu'avec un filet à papillon, si le cadeau est assez bas, tu peux le choper. Du coup, on va se balader dans la ville en arrosant les fleurs qu'on croise et en essayant de péter des rochers qu'on n'a pas encore tapés. Eh, 100% c'est ce rocher là. On les a tous. Allez. Oh putain, il était bien placé. Oh, il était bien placé, j'ai géré. Ah, attention. C'est ridicule. Maintenant, on va juste se balader, arroser toutes les fleurs qu'on voit. On va réarroser celle-là, même si elle brillait déjà. Du coup, on va vérifier ma théorie. Enfin, déjà, on va arroser. J'ai pas vu, est-ce que j'ai pu l'arroser? Je sais pas si ça compte comme si je l'avais arrosé. Hein. Toi, je sais que je t'ai arrosé. On fait le tour, hein, on fait le tour. Je sais qu'il faut que j'aille finir de ramasser les coquillages. Mais ça peut attendre. Je me souviens dans Wild World, c'était toujours le même PNJ qui se baladait avec une canne à pêche. Et c'était tout le temps lui qui passait sa vie à te proposer. Le premier qui attrape X poissons a gagné. Et évidemment, le premier que tu pêchais, c'était lui. Enfin, moi, il me proposait toujours ce genre de concours sur un poisson qui était très commun et que je pêchais tout le temps. Bah voilà, et je pense qu'on est pas trop mal.
Ah. C'est cool que ce soit un gyroïde parce que j'avais un peu la flemme de retourner au musée. D'ailleurs, je suis en train de me dire, quand on était vers le haut de la map, on a vu un train passer. Je sais que c'est pas quelqu'un qui est en train de me rendre visite, parce que c'est pas possible, mais ça aurait pu être cool qu'il y ait cette animation uniquement quand il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Bon, j'ai arrosé toutes les fleurs de la ville là. À combien je suis? Déçu. Choqué et déçu. Clairement, hein, je suis choqué et déçu. Bon. Je suis en train de me dire. Ouais, en fait, bon. À combien de temps on est? Ok, on va essayer de parler à tout le monde. On va faire la conversation à tout le monde. La musique me donne la patate. Kiki la réglisse. Kiki la glisse. Merci. Ouais, le melon. Non. Ça, c'est la zone où il y a toujours du monde. Hein, je pensais pas que je resterais à une ville. Bah, c'est-à-dire qu'on m'a un peu. Fait devenir mère, donc bah t'as pas à te moquer, t'as justement pas à te plaindre, rends pas fou. J'ai vu les fleurs au-dessus, je les ai pas vu briller tout de suite, j'étais en mode c'est des fleurs les plus flagrantes de la ville et j'ai oublié de les arroser. Non, il y a Qualin qui est juste là. Ah non, c'est Charlène. Oh mince. J'ai pas vu le soir arriver. Mais il doit être 17h. Comment ça va, toi? Une rumeur court à ton sujet. Genre acheteuse frileuse. What do you mean? Hein? Quoi? J'ai pas compris, toi tu veux toujours pas te réveiller? Faut pas lui parler 20 milliards de fois. Je peux pas l'arroser? On va essayer les maisons. Enfin, alors attends. Bon, Graham, on sait qu'il est dehors, alors on va pas se saouler. Robert. Mais il est pas là. Pas ça que je voulais faire. Charlène, bon, Charlène, on sait qu'elle est pas là. Ruby. Je fais la faux-folle dehors, MDR. Je pense qu'il y a un coin de la map que j'oublie d'explorer. Parce que c'est pas possible qu'ils soient tous dehors et on en a croisé deux. Alors Roscoe. Ah, Roscoe est chez lui.
sa maison Black and White. À part ça, tout bien. C'est bleu. Ah! Tu m'intéresses! C'est 400 que j'achète. Ça ira! Mais tiens, vas-y, fais-toi plaisir, mec. Un buffet, ça m'intéresse pas particulièrement, alors. Mais tu vois bien! Mets-toi bien! Bon, ma premier service, entre guillemets. Enfin. Honnêtement, j'ai déjà fait plus galère comme service. Alors, bonjour, Qualine. Quel temps de rêve pour aller pique-niquer? Ouais, why not? Allez, raconte-toi. Ah, c'est une très belle manière de faire, Coaline. Faites comme ça dans la vie, les enfants. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Parce que des fois, on vous sort des grosses conneries. Chez Mai. On n'a pas vu Mai. Mai, elle est chez elle. Elle a une harpe aussi. J'adore sa maison. J'ai tout ce qu'il me faut, t'inquiète. Toi, t'es une musicienne. Elle m'applaudit. Elle m'applaudit, c'est trop bien. Ah, j'adore la maison de Maï, c'est bon, j'en kiffe. On a clairement pas parlé à tout le monde. Par contre, je pense qu'on a fait de quoi avoir les bons de commerce là. Ouais. Bam, bam, bam. Envoyez. Mali. C'est une blague. C'est parce qu'on a parlé aux gens ou c'est parce que les fleurs arrosées se sont stack up? On a 99% les gars. Est-ce que t'as pas des mauvaises herbes?
une mauvaise herbe. On va essayer de revendre un truc chez Revente et Retouche. Ah bah oui, oui, non, c'est bon, j'ai chopé mes coquillages. Perfect. Mais c'est quoi, même pour être sûr, je vais aller donner mon fossile à Thibou. Et par contre, début du prochain épisode, on finit de rembourser notre dette, hein, clairement. Clairement, c'est comme ça que ça va se passer. Ah, on enchaîne. Ah, on enchaîne. Oh, le permis de construire et la dette. Oh, incroyable. Merci. Voilà, fin de la première quête qui aura duré 7 épisodes. Ça n'a aucun sens. Allez, 6, parce que je pense que ça va pas commencer à l'épisode 1, le truc du permis de construire. Et au pire, vu tout ce qui se passait dans l'épisode 1, ouais, ça a duré 6 épisodes quand même. Ouais, non, je me suis trompé d'option. Un corps de T-Rex. Eh, le T-Rex, je crois que je vais filer un crâne, une queue et maintenant un corps. Ah bah voilà. On a fini une structure du musée. Qui plus est, un T-Rex. Enfin, la bestiole qui déconne pas. Gère un T-Rex, tu vas pas le voir et lui faire un câlin. En réalité virtuelle peut-être, mais sinon. J'ai quand même la mère d'une ville et je passe mon temps dehors habillé en mère Noël, ce qui n'a aucun, enfin, rien n'a de sens, rien n'a de sens. Marie, il me dit pas que j'ai pas gagné 1% en complétant une structure du musée et en revendant. C'est une blague! Non, m'info. C'est une blague. Mais c'est un sketch. Apparemment, tu gagnes 1% quand tu fais ça. Apparemment, quand tu lui demandes des conseils, elle te donne 1%. Y'a pas de mauvaises herbes. Thank you.
Elle me dit re. Du banana split. Ah c'est... Oh, me donne pas faim putain. De la tarte au citron. Je te hais. Tu viens de me donner faim. Oh j'ai envie de... Oh. Je vais aller cuisiner après. Le temps que cette vidéo soit upload, je vais aller cuisiner. En fait je m'en fous si ça doit durer une heure. On l'aura aujourd'hui parce qu'on a 99%. Pour moi c'est du foutage de gueule. S'il faut je relance le jeu. Faudrait que je tombe sur quelqu'un qu'on n'a pas vu. Genre Robert. Est-ce qu'ils peuvent être à la caravanerie? Oh, oh, non, non. Il va se barrer. J'espère qu'il part pas. Je me hais. Je me hais. Est-ce qu'ils peuvent être là? Mais non. What the fuck? Déjà, où est-ce que ces gens sont? Parce que clairement... on les a pas croisés de l'épisode alors qu'ils sont dehors. Toi, je t'ai parlé, non? Ah non, on n'a pas parlé à Chuck. Et à part ça. Alors, ton avis, je suis en... Ouais. On va dire qu'il est chaud quand même. Qu'est-ce que tu me donnes? Un pull Vichy vert. Ouais. Je vais rester habillé en Mère Noël pour l'instant. Bon là j'ai parlé à quelqu'un que j'avais pas vu des pieds. Me la fais pas, je ne peux pas être encore à 99%. Je suis sûr que je suis encore à... Oh. Oh. Vous êtes arrivé. Je vais soumettre votre demande de permis de construire au conseil municipal sans tarder. Il faudra au moins un jour pour l'approuver. Mais ça peut être... ça peut aussi prendre plus longtemps. Soyez patiente, je vous ferai savoir dès qu'il aura été entériné. Alléluia. Est-ce que je peux faire autre chose maintenant? Ah d'accord. On l'a fait. Ah. We fucking did it. Bon bah les gars, on se laisse là. On peut pas finir, on peut pas mieux finir cette vidéo. On va se laisser là, c'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long, et putain. C'était 10 fois trop long. Bon les amis, on l'a enfin fait. Le permis de construire sera bientôt à nous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode d'Animal Crossing New Leaf. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Parce qu'en ce moment, vous commentez beaucoup Animal Crossing New Leaf et ça me fait plaisir. Juste une info hein, pour ceux qui le font. Enfin, pour la personne qui le fait avec plusieurs comptes. Arrêtez
de donner vos codes amis. Je m'en servirai pas pour cette série. Et je m'en servirai pas pour cette série. Donc ne donnez pas vos codes amis. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.